Oh, oh oui, oh les bites, ah j'aime ça, oui, je me retourne, enculez-moi partout. Oh oui, giclez-moi dessus, je me roule dans le sperme, alors oui, là, oh, j'en veux dans l'oreille, s'il vous plaît, oui, dans l'oreille, juste ici, oui, oui, j'aime ça, la bite, putain, la bite, j'ai pédé, j'aime ma petite bite, oh, oh non, pas le cul. Oh non, je. Oui, j'aime ça, les caresses. Mmh. Oh oui, continue. Là. T'aimes ça, Lia, tu vois. Putain, Adèle, qu'est-ce que tu fous? Tu rentres dans mon intimité, bâtard. T'es qu'un gros pédé, toi. C'est toi le pédé. Putain, qu'est-ce que je foutais? Bah, tu te la stiquais, je t'ai vu. Mais pourquoi tu dis ça? Tu te la prenais, je t'ai vu. Tu te la prenais et te tapais sur le ventre. C'est pas vrai ça, je m'en suis même pas rendu compte. Oh non. Ce Franck. Putain, ce Franck, franchement. Oh Franck, pas de bon matin. Regardez-moi ça, Prince PD là-haut. Qu'est-ce que tu fous? C'est quoi ça? Putain, les gars, vous pourriez frapper avant d'entrer. Là. Attendez deux secondes. Y a du foot partout, c'est ouf là. Et alors? Attends, toi tu nous dois des explications, hein. Mais t'es en manque d'anus ou quoi? C'est quoi ce bordel, Franck? Bah vas-y, explique-toi alors. Mais c'est pas ce que vous croyez, les gars. C'est pas du... Ça chlingue le foot. Ah ouais. C'est pas toi qui fais le ménage. Mais c'était déjà là avant, moi je nettoie. Attends, tu crois vraiment qu'il y a écrit pigeon sur mon front là? On s'est branlé dans des capotes hier. Ah bon? Ouais, pas de mystère, hein. C'est un pédé. Il s'est mis le tuyau de l'aspiro dans le cul, il s'est branlé en même temps. Bon. Faut que je vous avoue un truc, les gars. Ouais, je suis pédé. Et alors? Ça vous pose un problème? Oh, pédé! Maintenant, j'en connais un qui va nous montrer son oignon. Et moi, j'en connais deux qui vont lui mettre bien profond. Ah oui. Mais pas du tout. Moi, j'ai fait ça avec un poireau la première fois. Et je fais ça qu'avec des aliments. Avec un poireau? Ça doit défoncer le rectum. Ouais. Mais non, il va en Brokeback Mountain. Un bête de film. Faut qu'il regarde. Ouais. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Je l'ai vu, il y a deux gros gays qui s'en mangent vénère. Ouais, c'est trop bien. Traf de ouf. Faudra qu'on se le mate ensemble. Ouais, t'inquiète, ouais. Bah ouais, allons-y. Non, mais de toute façon, toi, on t'a ramené une zouze, une vraie. De toute façon, un trou est un trou. Et elle pourra dormir à la maison après. Mais je suis pédé. C'est ça que vous comprenez pas, les gars. Je suis pédé. Moi, j'en veux pas des veufs. Ah oui, j'oubliais que t'es pédé. On aurait dû te payer un séjour à la Fistinière. Enfin, pédé, on dit homosexuel, les gars. Et puis moi, les foufs, j'en ai jusque là. Alors c'est bon. Si tu veux pas défoyer la petite chabine qu'on t'a payée, j'en connais deux qui vont la défoncer. Très bien, les gars. Et puis moi, je vous regarderai vous emmancher, vous tripoter. Ah, ça sera bon. Oh, ta gueule, retourne jouer avec tes poireaux, toi. Ok. Attends, viens taper à la porte, là. C'est peut-être la petite chabine. Attends. Oh putain, elle est bonne. Merci. Alors, c'est lui le client? Je sais que je suis jeune, mais il y a de la place pour trois. Ah oui. Prostit Express, bonjour. Oui, je vous appelle parce que mes potes ont commandé une petite chabine. Ouais, je préférerais échanger contre un Thaïlandais bien membré. Ta gueule. Oui, poilu, avec malaxage de couilles et langue agile. Oui, oui. C'est possible. Aujourd'hui? Très bien, alors. Super. D'accord, attends 5 minutes. Au revoir, merci. Alors? Rentre chez toi, petite chabine. Quoi? Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce que tu manigances, hein? Désolée. Qu'est-ce que t'as, salope? Bah en fait, un Thaïlandais de la boîte m'a refilé le sida. Donc je partirai ni le cul vide, ni les mains vides. Vous allez tous crever, mon enculé.